falaise. Donc les plantes se trouvent dans la falaise, la Christ Marie, qui sont qui comestibles, hein, qui ont un goût de carotte. Et à l'époque, les Villageois les mangeaient énormément pour lutter contre le scorbut. Et on retrouve également de la fougère. On faisait comme ça, puis on allait sur l'île. Et on peut voir les herbes de nos sœurs un peu arrachées par cette houle, hein, qui est très forte. Donc ce parc est 125 000 hectares, hein, soit 1250 km². Dirigé vers le cirque de l'Anse de l'Isère. Donc là, nous avons sur le site de l'Anse de l'Isère, hein, avec ses pins maritimes, ses falaises claires et son eau, on va dire, turquoise sablonnée aujourd'hui, hein, comme il y a beaucoup de houle. Le sable remonte, donc c'est pour ça que c'est trouble. Et ça donne des allures de Méditerranée. On se rend vite compte, lorsque nous posons le pied dans l'eau, qu'elle est beaucoup plus vivifiante que dans le sud. Mais avec ses allures, elle s'est retrouvée dans les années 90 dans le magazine de Calan Corse, donc bien loin de chez elle. Et en 2014, elle s'est retrouvée parmi les plus belles plages d'Europe, en se positionnant à la 7e place sur le site internet European Best Destination.